Le prince Harry et Meghan Markle sont installés aux États-Unis depuis presque 3 ans selon un ancien ami du couple. Ils pensaient devenir les stars de leur quartier. Malheureusement pour eux, ce ne serait pas du tout le cas. Ils se voyaient peut-être plus beaux qu'ils ne l'étaient en réalité. Le 31 mars 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont pris une décision radicale, car ils ont décidé de s'installer aux États-Unis et ont mis un terme à leurs obligations envers la famille royale pour mener une existence financièrement indépendante. Le couple a alors acquis un manoir dans la ville de Monte Quito, en Californie, pour près de 15 millions de dollars, environ 14 millions d'euros. Mais selon Nick Head, un ancien ami de Meghan Markle, lorsqu'ils sont arrivés, ils pensaient qu'ils seraient les personnes les plus importantes à Hollywood. Or ce ne fut pas du tout le cas. En effet, parmi leurs voisins, le duc et la duchesse de Sussex peuvent compter certaines des plus grandes stars américaines, telles qu'Oprah Winfrey et Ellen DeGeneres. Ce qui les place assez loin dans la hiérarchie à Hollywood, d'après Nick Head, dans les colonnes d'Express. Le présentateur de télévision affirme que le couple avait cru qu'il serait le numéro 1 du quartier, mais que le titre de roi d'Hollywood appartient aux Kardashian et à Beyoncé. Harry et Meghan exclus de la royauté américaine ? Je pense que l'on oublie qu'à Hollywood, la royauté n'est pas quelqu'un qui a un titre. CST.lo, CST Sharon Stone, CST Beyoncé, CST les Kardashians. CST leur royauté, a poursuivi Nick Head. Et d'ajouter, ils sont en quelque sorte assez loin dans la hiérarchie. Et je pense que cela a été un problème pour eux. Le 30 septembre 2022, le magazine local Santa Barbara News Press avait fait savoir que le prince Harry et Meghan Markle souhaitaient quitter leur manoir pour emménager à Hope Ranch, à environ 15 km de Monte Quito. Cette petite ville dispose d'un chic country club réservé aux membres ainsi que d'un club de golf. Elle possède également de nombreux atouts, tels que des cours de tennis, de terrains de pique-nique et d'un réseau de sentiers équestres. De quoi élever Archie et Lilibet dans un cadre de rêve. Très recherchée par les célébrités, cette zone possède de nombreuses propriétés.